Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être avec nous ce matin pour ce premier bulletin de la journée. La séance sur le rapport Petro-Caribé programmée pour le 30 janvier prochain. Le sénateur Joseph Lambert en a fait l'annonce suite à une visite de l'ambassadeur du Canada André Frenette au Parlement haïtien hier. Il a tenu à expliquer que le scoop a été donné à l'ambassadeur et que cette séance sur la gestion catastrophique des fonds du programme Petro-Caribé doit se tenir le mardi 30 janvier prochain. Mardi prochain, en assemblée, nous allons débattre sur le rapport Petro-Caribé, a lâché le sénateur Joseph Lambert, qui a fait savoir que la mise en discussion de ce rapport est une idée qui le tient à cœur, comme il l'avait annoncé lors de sa campagne pour la présidence du Sénat. Par ailleurs, le sénateur a profité de l'occasion pour informer que bien d'autres dossiers importants sur la corruption, des projets de loi en souffrance et la finalisation du dossier de CEP vont être également mis en discussion au sein même de l'Assemblée. Le nouveau président de l'Assemblée nationale estime qu'il est venu l'heure de faire des lumières de façon définitive sur ces dossiers pour l'édification commune. C'est pourquoi il a fait la promesse de proposer aux autres collègues de l'Assemblée en conférence des présidents de mettre en débat le dit rapport ainsi que d'autres dossiers en souffrance. Toutefois, l'élu du Sud-Est a donné la garantie qu'il va mettre un peu d'ordre au Sénat et améliorer les conditions de travail des employés ainsi que des journalistes accrédités au Parlement. Plébiscité par ses pairs, le député de Delma, Gary Baudot, a été placé à la présidence de la Chambre basse. Malgré cette formalité dûment remplie, les projecteurs sont toujours braqués sur cette assemblée le 23 janvier. Le débat a été très houleux, les intérêts sont de taille, les députés ont failli en venir aux mains au moment de former les différentes commissions permanentes. Les nerfs étaient à fleur de peau à la Chambre des députés hier. La séance devant statut sur la formation des commissions permanentes s'est terminée en queue de poisson. À défaut de mettre en place les différentes commissions, les députés se sont quittés dos à dos au terme de plusieurs heures de vives discussions. Très remonté, le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, l'homme qui occupe la présidence de la commission santé depuis plusieurs années consécutives, a été au centre des discussions. La formation des commissions est sujet de discorde à la Chambre des députés, plus d'une semaine après l'inscription des quatre blocs politiques, GPEP, GPS, OPL, Vérité, Ali, APH, au niveau de la Chambre basse. Les députés sont toujours dans l'expectative en ce qui concerne la formation des 20 commissions permanentes pour l'année législative en cours, alors que le nouveau président Gary Baudot avait clairement déclaré qu'il avait mis la séance en continuation afin que les chefs de file des différents blocs inscrits puissent trouver un consensus avant la tenue de la prochaine séance devant statuer sur la mise en place des commissions. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, présentera le mercredi 24 janvier au Conseil permanent de l'Organisation des États américains le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale. Ce document qui vise également à promouvoir, lors d'une entrevue accordée, Charles Simsi Kassir, l'un des membres du cabinet du ministre de la Défense, a fait savoir que le ministre Denis est en voyage à Washington et dans son agenda est prévu un exposé sur le livre blanc de sécurité de la défense nationale, un document qui a été élaboré plus particulièrement dans l'idée de poursuivre la quête de la mise sur pied d'une nouvelle force publique de défense nationale après l'échec de nombreuses commissions présidentielles y relatives. Le jugement en appel de l'ex-président brésilien Lula a débuté mercredi, trois juges étant chargés de trancher sur une condamnation à près de 10 ans de prison pour corruption qui pourrait lui barrer la route de la présidentielle dont il est le grand favori. Un Brésil très polarisé retenait son souffle en attendant cette décision cruciale pour l'avenir du pays qui tient ses élections générales en octobre. Des milliers de sympathisants de Luiz Inácio Lula da Silva, figure politique emblématique, mais aussi ses ennemis farouches, ont convergé vers cette ville du Sud dans une ambiance tendue qui laisse redouter des affrontements. La tension était palpable. Dès les premières heures de la journée, le quartier du tribunal situé au cœur d'un parc a été totalement bouclé alors que des hélicoptères survolaient la zone. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mercredi 24 janvier 2018, et bonjour, bonsoir pour nous toutes qui branchez Signal FM. Et c'est la ronde des provinces, justement, 7h30 qui rentre la CAO. Et comme ça, nous prenons pour nous faire la vie ronde de tout pays, hein, sorti dans le département nord, Cap-Haïtien, pour nous tomber dans le nord-est, Fort Liberté, et nord-ouest, avec Port-de-Paix, descendre à Tibonite et Gonaïve, pour nous descendre tout bas à Tibonite avec Saint-Marc et Hinche,
Plateau central, bas plateau avec Mirwalet, correspondant toujours. Ensuite, département et l'ouest, Petit Gouave, Jacques Mel pour sud-est. Ensuite, nous allons prendre Miragouane, chef-lieu et département Niplan, sud, Payan, Lécaille, Jérémy Grandance. Nous allons pour nous faire tous les départements avec toutes 14 correspondants permanents, signal FMIO, dans ce moment-là, qui est déjà mobilisé pour faire émission ça. Et tout pendant nous disons tout bonjour encore. Et Julien Virgile qui a assuré manœuvre technique, nous saluer et nous saluer tout haïtien qui a attendu dans la diaspora, dans 641 552 5073 et 360 398 42 57. Bienvenue et tout le monde. Alors pour nous commencer, nous allons tout d'abord et aller dans nord-est pays en Fort Liberté avec correspondant Eddy Michel, nous connaissons qui toujours est là pour informer tout auditeur signal FMIO. Et c'est comme ça, manœuvre technique lancée, Julien Vigile déjà lancé pour Eddy Michel et pour nous informer nous. Donc, Fondi et matin là, nous allons connaître comment chaque département, chaque chef-lieu, chaque commune, notamment chaque section communale dans le pays, arrondissement tout, comment habitants ça a relevé, qui ça a été vivre hier soir, qui est capable de marquer, mais nous-mêmes tout, pour nous informer de ça. Julien Vigile, est-ce que Eddy Michel est déjà en ligne avec nous? Bonjour Eddy Michel, bienvenue dans le monde de la matin. Bonjour Michel Alexis, bonjour Julien Vigile, bonjour tout le monde qui branche Signal FM, qui suivre rubrique la ronde des provinces tout matin, mercredi 24 janvier 2018. Ça, information à partager avec auditeurs pour matin. Il y a plusieurs petits marchands qui étaient sont achetés, ça n'a pas gagné longtemps, dans le marché d'Abonne, qui dénonçaient le comportement agent douanier dans la zone Thierry Rouge, qui prend plaisir dans saisir marchandises, alors que Dieu n'a pas porté produit, ils sont considérés comme contrebande. Faut que nous disions, la situation te paraît compliquée. Après, il y a un inspecteur douane dans Thierry Rouge, qui demandait les chauffeurs tap-tap, pour le rentrer dans la cour douane. C'est que le chauffeur a été refusé fait et inspecteur sans hésiter. Il était tiré dans le caoutchouc, tap-tap ça. Ça qui était soulevé, collègue, si machin, il était à bord, machine ça. Machin, il était profité pour dénoncer. Et président Jovenel Moïse, il a dit qu'il mettait agent douanier là, de façon pour capable nuire, alors qu'il a dit que le pays a pas produit à rien, je vous dis. C'est même cas turbulent tout pour des commerçants au niveau de commune Wanamet qui continuent de lever bien haut pour dénoncer agent Polifontio, il dit qu'il a saisi des vendeurs ça que ils ont acheté en République dominicaine. Il dit que agent douanier Sayo et Polifontio surtout, ils mettaient cagoule dans le visage côté qu'il a fait des actes de violence sous population et ont demandé directeur général PNH pour être capable de redéfinir le vrai rôle pour agent Polifontio qui a travaillé sous frontière d'Abonne particulièrement. Métropole du Nord-Est, Eddy Michel, Signal FM. Eddy Michel, juste avant d'aller, comment Fort Liberté levé matin? Alors, pour matin et mercredi, ça, département réveillé et sans trop de problèmes, surtout chef de département, et sinon que y a une direction départementale éducation dans le Nord-Est qui était fermée lundi, qui s'est passé là, hier, sous initiative directeur départemental, M. Fridjak, et avec la police et juge de paix, il y aurait l'ouvri Portland. Mais porte direction a été fermée. C'est suite avec plusieurs mouvements que professeur Nampsougo avec Pronec ont été faits pour capable demander à ministre éducation nationale pour payer plusieurs mois arriérés salaire. Mais n'a pas rappelé, c'est pas pour la première fois que professeur prend genre d'initiative ça, parce que ça gagne plusieurs mois déjà depuis que l'État de par exemple capable payer des situations comme ça tout qui présentait au niveau EFACAP dans Fort Liberté. Côté professeur 3e Sikyo, il a campé travail depuis plusieurs mois, côté a demandé pour que le ministère capable d'inclure dans l'augmentation que la baille professeur. Et il a rappelé à dernière déclaration que le ministre, l'intérieur de la Génor Cadet, lui-même l'était fait sous question ça, ça qui était choqué et qui était soulevé colère, il a demandé au ministre pour capable de ressaisir. Ils ont pris une initiative pour capable retourner dans la salle de classe. Ça va gagner longtemps là. Mais ils ont demandé au ministre si ils n'ont pas mis pour le chef IFACAP, le troisième cycle, surtout dans la question d'augmentation. Ils ont retourné tomber dans la grève pour la finale parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'ils rentrent même gens avec le professeur lycée qui a travaillé à temps plein. Merci en pile, Eddy Michel. N'a pas rappelé pour auditeur Signal FM ou même c'est correspondant permanent Signal FM dans Fort Liberté dans Nord-Est pays hein, ou même qui t'a baillé toute information et matin là comment et département levé mais tout.
population qui vit dans le chef-lieu et département ça, et qui c'est en quelque sorte, Fort Liberté. Bien. Alors, on a profité tout pour nous saluer tout le monde qui a écouté dans ce moment-là, dans Caracol, Faïton, Trou du Nord. Nous connaissons qui trouvait dans le département Nord-Est, là, toujours. Sainte-Suzanne, Ferrier, Wanamint, Perche, tout le monde ça, Valière, Mont-Organisé. Donc, eux-mêmes qui est branché dans ce moment-là. Alors, il faut nous dire, si nous parlons qu'on est là dans le département Centre, qu'on a le point deuxième correspondant nous. Et cette fois, c'est un Fleura Josué, lui-même, qui pourrait le porter pour nous. Comment, département Centre l'enlever? Et nous connaissons mon siècle à la source déjà la branchée, Thomasy, Tomonde, Maïsad, tout le monde ça là. Et si nous prenons Belader, tout, Lascaroubas, Baptiste, Moun Savanette. Nous pourrons l'informer maintenant là, comment ça a levé, Sodo tout. Alors, Julien, Virgile, est-ce que Fleura Josué en ligne? Ok, donc Fleura est beaucoup en ligne, mais il n'a fait contact. Donc, toute population Sao, qui attendait dans ce moment-là, nous dit que tout est branché, parce que la Ronde des Provinces, c'est lui-même, émission ça, seul pays à rien, pour informer sur tout ce qui a passé mais dans le pays. Donc, nous prenons dans le département et Nord-Ouest. Ok, département Nord-Ouest, nous connaissons qui gagne la dalle correspondant nous pour informer nous. Donc, c'est avec Johnny Avril. Et on a profité pour nous saluer et toute population qui attendait dans le département ça. Tout pendant on a fait contact avec Johnny Avril. Et mon cap coûté nous dans Saint-Louis du Nord. En sa fouleur, bassin bleu. Des petits m'attendaient parler de zone ça. Jean Rabel, Moul Saint-Nicolas. Mon sao, Bombardo Police, tout. B2N. Donc, tout mon sao, branché. Est-ce que, voilà. Et alors, technicien nous fait nous connaître que Johnny Avril déjà en ligne. Bonjour, Johnny Avril. Comment nous est? Bonjour, Michelet, et n'a salué auditeurs haïtiens de l'étranger qui a suivi Route de la Matin sur le réseau mondial Signal FM. Comme d'habitude, Michelet, n'a salué auditeurs qui a suivi nous dans 11 communes et 41 sections communales départementales de cela à travers Radio Télé Idéal. Lui-même, on nous connaît chaque matin qui n'a pas raté l'occasion de ça pour faire auditeur dans le dossier suivre la Route des Provinces. Là, on connaît Michelet, responsable association plantée Croissant Joseph Lyon, APCS. Vous rencontrez la presse à mardi 23 janvier 2018, là, dans le local habituel, nous. Objectif, là, selon porte-parole, association, ça, M. Atanel Cadet, c'est de dénoncer mauvais état, ton son route et qui conduit l'infection, ça, qui a mauvais état. Déclaration, M. Atanel Cadet. Bon, définitivement, avec mon ambition, nous pas capable de faire rien. Avec en bas bloqué, en haut bloqué, avec nous-mêmes qui déjà en haut, sans renouer, qui ont fait qu'il était en bas, le en bas, même du machin, qui va défendre tout la voie, pour descendre à l'époque des pays, on va pas capable d'aller parce que vous, là, infréquentable, la boue, nous n'avons pas fait rien, mais autrefois, le président des bords des pères, il était dit comme ça, et vous, ça, n'a été le petit bord des pères pour monter au piton, qui sera, il a fait pour nous-mêmes, parce que nous n'avons pas capable de fonctionner, maintenant, il faut travailler. Des chances pour nous, pour aller dans les chances, pour être capable. Et nous regarder qui c'est pour déraboter pour nous et qu'on a une solution par rapport à vous ça parce que si on est malade, nous n'avons pas de moyen de transport pour nous porter l'aller. Et ça veut dire que c'est nous, on va être moins pour répondre sur toutes les sections 4 pour porter l'aller. Aller l'hôpital, laisse aller, on n'a pas de monde, la pièce à mourir. Et actuellement, là, dans la voie, mais en maladie là, c'est diarrhée, vomissement qui est pour les rats, pour fréquenter. Si on compte qui fait fouet en ville, alors si on fait au calcul pour nous, on va être dans les temps avec une chance pour nous, s'il vous plaît. En tout cas, M. Atanel Cadet dit espérer une solution pas trop longtemps. Bon côté, directeur départemental, car vous dites très fort à communication de cela, ingénieur Giro et Jean-Serge, lui dit qu'il y a des mouvements. Troisième section, commune pomme de paix. Johnny Avril, réseau mondial, signal. Merci un peu, Johnny Avril, depuis Port-de-Paix, département nord-ouest, pays d'Haïti, et qui t'a poté pour nous comment département ça est levé, qui information, qui dernier information dominée dans département ça. Et à présent, nous pourrons aller joindre Wilson Saint-Just, qui trouvait dans département l'ouest, là, dans Tigouave. Nous fait contact, mais il faut nous dire, département l'ouest, ça, et c'est vrai, nous correspondons dans Tigouave, là-dedans, mais on a profité saluer toute population qui attendait dans ce moment-là, Gringoive, Léogane, Carrefour, Pétionville, côté Noyé, là, nous saluons nous toutes, Kinskoff, Fonds Parisien, tout le monde ça, Fonds Verrette, Gantier, La Plaine, là, Croix des Bouquets, Tomazo, tout le monde ça, c'est département l'Ouest, et on a continué à faire contact avec mes correspondants Wilson Saint-Just, dans ce moment-là, et nous connaissons qui, vraiment, qui n'est pas disponible. Ok, Julien, donc, on a essayé de contacter l'autre correspondant nous, et cette fois-ci, et avec qui est-ce? C'est Yves Delva, arrondissement d'Aquin. On fait contact qu'on est là.
Yves Delva nous connaît, qui trouvait dans le département du Sud, PIA. Donc, c'est deux correspondants permanents signal FM Gain, Kai, et puis Akin. Donc, fait contact avec Yves Delva, qui est en ligne, mais sans non pas oublier et saluer Moun, et qu'attendez nous là, dans ce moment-là. Que ce soit dans vieux bourg d'Akin, ou bien que ce soit dans zone, comme t'as dit ça, sud toujours, et Saint-Louis du Sud, et l'autre côté encore. Donc, Yves Delva, bonjour. Bonjour, Miss Lee, bonjour tous les amis, signal FMIO. Bonjour, arrondissement Akin, qui m'a été enlevé, côté toute activité à marché, sans pièce de difficulté. Mais de manière générale, Boujoli, quoi, il est important pour le président Jovenel, en particulier, et le gouvernement en général, t'as pensé plus, sur la commune Akin, dans créer des activités de développement, parce que Akin, c'est une commune qui est à la porte d'entrée département sud-là, mais qui charge avec problème. Mais Boujoli dit important, ou bien il applaudit position député Akin, Jean-Aubert Bossé, en tant que député de l'opposition. Mais cependant, il est important tout pour député Achita négocier avec le gouvernement pour défendre l'intérêt commune Akin. C'est à inviter le gouvernement, inviter le président de la République, et que pour ne pas chercher plus sous Akin, surtout le député d'Akin, et que Jean-Aubert Bossé, je vous dis ça, Jean-Aubert Bossé, jusqu'à présent, reste un grand député. Il défend les intérêts de la commune d'Akin parce que, puisque toutes les gouées mettez en place, gouvernement, pour défendre la population, si on capte la population vraiment. Et pas les groupes à côté de Paul Blé. Jean-Aubert Bossé, félicitez-le comme député, ça m'a dit, en tant que député restant de l'opposition, ça sont dans le plus entier, mais quand même, fort. L'équipe de l'opposition a derrière pour chaque président, faire présence au président, faire présence au premier ministre, faire présence au ministre, et que notre chien, pour partir, pour le soigner, et que pour un petit bagage, parce que quand vous gagnez, pour que j'ai un peu de député, pas capable, parce que bagage, mais il y a plus de pour faire plus de la paix. Non, ou tu vas te faire quelque chose pour nous mettre des députés là, les bagages, les soignés, et que si que le gouvernement, qui est comblé à la main, n'est pas décidé de passer de la commune. Voilà, c'était déclaration ancien député Akin Emmanuel Fidjéral Boujoli, lui-même qui le connaît, Akin sans commune, qui chargé avec problème, mais cependant, l'exemple des autorités, vous voyez, qui ça a été capable de faire pour développement Akin. Yves Delva, signal FM, arrondissement Akin. Bien, Yves Delva, comment Akin est levé maintenant? Faut que nous disions, Akin m'a bien levé, tant qu'on nous dit, le soleil a déjà brillé dans toute spandelle, d'ailleurs, jeudi à ce mercredi, je mercredi avec le samedi, c'est le jour marché public qui fonctionnait dans le département, ou bien, on nous dit, dans la zone Akin, d'abord, il y a un marché Cavaillon. Il n'y a pas l'idée d'arrondissement Akin, il y a là dans trois communes. Akin, le chef-lieu, et puis il y a Akin avec Saint-Louis-du-Sud. Akin, il y a deux marchés publics, qui fait un marché Cavaillon, hein. Donc, avec marché Gomarin. Gomarin lui-même, c'est un gros marché public qui est à col, dans la troisième section, commune Cavaillon. Après quoi, il y a un marché public, et Grand Rivière, qui fonctionne jeudi, mercredi à tour. Il y a un marché public Solon lui-même, c'est la sixième section communale de l'édition. Marché ça, il fonctionnait et c'est le lundi. Et puis après, quand il y a un marché Akin avec marché Vieux-Bourg, il est important de nommer Vieux-Bourg. Donc Vieux-Bourg, son quartier Chitacol, et tout près Akin qui est dans l'arrondissement Akin. Donc tout marché ça, il y a un pile là-dedans, il fonctionne du mercredi, d'ailleurs, il y a toujours. Mais c'est le 26 juin, tout le monde allait chercher la vue à l'état des petits commerciaux dans le marché. Pour le moment, toute activité à marché, commerce, ça qu'on a dit, transport en commun. Donc activité d'éducation, tout la guerre à marché, c'est un pire difficulté. Bien. Merci un peu Yves Delva depuis commune, alors arrondissement Akin sud de pays d'Haïti. Nous allons refaire contact avec Wilson Saint-Just pour le département Loeslan qui trouve depuis Tigouave. Wilson, et pour aller ben nous, non seulement comment le département s'est levé, mais tout alors, comment Tigouave, nous connaît qui en zone qui est très brisée dans le pays, hein, côté gain. Puis l'activité qu'a fait donc Mounio vraiment et c'est on comment servi un pont pour relier département l'Ouest pays, hein, mais tout avec Grand Danse, Grand Sud-Lan notamment. Donc Wilson Saint-Just, s'il en ligne et technicien de FMC. Julien, tout va OK? Ok, ça va marcher pour Wilson Saint-Just. Donc, Fondi, n'a pas salué dans le sud-est pays, hein. Monde qui a coûté non, non, Jacques Mel, dans le moment, là. Belance, Tiot, mon banane, en sapitre. Nous connaissons ça, qui nous zone vraiment reculé dans le pays, hein. Vraiment, donc, c'est dans le point sud-est pays, hein. Et donc, n'a pas salué tout le monde. Marigo, mon Kai Jacques Mel. En côté, ma vie qu'on est en pile, Kai Jacques Mel. Donc, tout le monde s'est rebranché dans le moment, là. On a continué à contacter et correspondant. Donc,
Et Fonzi, nous connaissons Sud-Est Lantou, c'est une zone qui est très connue pour activités culturelles, notamment activités carnavalesques. Nous connaissons dans un moment là, et Jacques Mel pour aller frapper là dans le jour là. Alors, il fait nous signe que Wilson Saint-Just est déjà en ligne. Bonjour Wilson Saint-Just, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour avec Julien Virgile, qui est dans ma live technique. On ne connaît pas si je me sortis bien en studio. Très, 5 sur 5. Tout à fait. Eh bien, c'est un plaisir matin, hein, pour nous avec auditeur Signal là, sous 90.5, qui fidèle avec la ronde de province chaque matin, que nous mobilisons, super motivés pour que nous présentions au lit. Et c'est essentiel, puisque les amis Haïti qui est dans la diaspora, petit pays, ils ont toujours à m'étendre la ronde de province, qui ont connaît comme commune, ville, qui ont été sortis, hein, comment le réveiller chaque matin. Eh bien, c'est Radio Signal qui commence à faire, et c'est nous qui continuons à faire. C'est votre déclaration, président États-Unis, Donald Trump. Très choquante contre les haïtiens, certes, mais l'autorité haïtienne doit profiter en grande déclaration ça pour commencer à ramasser caractère devant l'autre pays grande puissance qu'ils ont mis à Haïti. Question, gérer bien, ça a Haïti gagné comme richesse et une façon pour prestige pays capable de sauvegarder. Ces déclarations, évêque Église épiscopale d'Haïti, Monseigneur Jean-Jacques Duracin. Les États-Unis, la plus grande puissance au monde, de faire une déclaration comme ça. Et nous-mêmes, nous trouvons très choquante une déclaration comme ça. Puisque nous-mêmes, nous avons une longue relation avec le peuple américain, on connaît le système partenariat que nous avons dans une zone qui vit en Haïti. Et puis, nous avons des Haïtiens qui allaient. Donc, nous croyons que les problèmes migratoires sont des problèmes que. Jean-Jacques Duracin fait déclaration ça dans la commune de Léogane, dans le moment où tu as célébré une messe d'action de grâce dans l'occasion de t'inaugurer une nouvelle salle de radiologie dans l'hôpital Sainte-Croix en l'identité à Nakaona. Antenne Signal FM, Petit Gouave, Wilson Saint-Just. Merci en pile, Wilson Saint-Just, correspondant permanent. Nous t'as informé nous depuis et ville Tigouave qui trouvait dans le département l'Ouest, pays d'Haïti. Donc, faut nous dire tout correspondant nous vraiment mobilisé et puis remet ça fait à tout et travail ça permet population dans au coin, en fait, qui puis reculer dans le pays d'Haïti, informé de tout ça qui a passé, comment et chaque commune, section communale, arrondissement paysan, en bref, comment département yo levé matin. Donc, et puis diaspora, tout remet qu'on est, comment famille yo levé dans les zones ça. Donc, nous parlons qu'on est là dans le département et la Tibonite, Gonaïve, n'a fait contact dans un moment là avec Gilbert Siméon. Est-ce que Julien Virgile est avec nous? Oui, et il est avec nous. Donc, on a profité tout. Dans un moment, là, vous saluer toute la population qui peut suivre nous dans le département, ça. Mon Saint-Michel de la Talaye, Dessalines. Alors, Tivier, la Tibonite, tout le monde, ça, autour, on a salué, zone Verrette, la Chapelle, tout ça, retrouvé, on a Tibonite. Et, contacté, on a fait, ça, pour qu'on marche, Gilbert Siméon, et s'il a besoin de nous, ou capable, relin, son numéro, ça. Bien, ça n'a pas marché. Donc, il a toujours été, toujours dans le département et Artibonite là. Mais nous allons descendre en bas dans le département, ça, pour nous, Syndeka, et faire contact, ensemble avec Nazaire Dupiton. Donc, on est, qui c'est, on, et même avec toute l'autre correspondant, nous, son groupe auto mi-temps, et qui a soutenu et Signal FM, qui a collaboré avec nous depuis bas Artibonite là. Donc, contacté dans un moment là, Nazaire Dupiton. Bar Tibonite, donc ça pas marché. Bien, alors, et Fonzi, population paysan, c'est tout, et monde qui a coûté dans la grande danse paysan, donc on est qui c'est un département qui est vraiment reculé, qui trouvait la extrême partie dans le pays d'Haïti. Et c'est comme ça nous pouvons aller faire contact avec grande danse. Donc on est monde qui dans la grande danse, c'est Rio Jean. Et nous pas suspendre saluer habitants qui attendent là, parce que nous connaissons.
Et Grand-Anse, c'est un département qui est vulnérable en pile. Donc, n'importe la pluie, n'importe catastrophe naturelle, vraiment, nous, ouais, qui s'est toujours arrivé. Même j'avais un pile l'autre département qui est vulnérable dans le pays, en tout. Mais, Grand-Anse, nous connaissons ce qui est passé. Le Grand Sud a été frappé. Ça a environ, notamment, une année. Effectivement, on a fait contact avec Rio Jean, mais on a profité pour nous saluer tout le monde qui a attendu. Trou Bonbon, Moron, Chambilan, Sous Chaude, mon saluer, donc, mon roseau tout. Et en Sdeno, son j'aime qu'on étudie en Sdeno longtemps, et qu'on a petit la géographie, pays, hein. Mon Corail, Pestel, tout le monde saluer. Julien, est-ce que Rio en ligne? Bonjour Rio, bienvenue dans Monde la Matin. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs Signal FM qui a coûté un peu partout dans le monde. Ville Jérémy, live matin, toute activité a marché très bien, élèves à l'école. Nous avons attendu son l'aria, c'est activité qui a marché, nous avons appris très bien la ville Jérémy. C'est ça, bon bagage. Information, la grande CIA a mené la EDH, côté syndicat EDH, là, il était visité par Moïse. Côté Chita avec divers employés pour ça qui concernait l'activité EDH. Et bien, dans ce sens-là, syndicat a parlé sur divers points. Tant qu'au question EDH et Jérémy après Mathieu, qui pas jamais gagné, ils ont un vrai travail qui fait. Et notamment, syndicat a demandé pour passeport employé, capable de travailler normalement, et demandé abonnés pour être capable de payer votre bon vite au côté. Donc, rencontrons aujourd'hui avec la presse, c'est dans le cadre tourné que la fédération a gagné pour le faire dans tout le pays. Donc, la dernière, nous avons dit Bimbalé, nous avons dit au Cap, nous avons dit Naïve, nous avons parlé avec la presse. Donc, c'est dans le cadre pour que nous gardions qui ça qui fait déjà, parce que nous avons tout le monde déjà fait, déjà, nous avons parlé à la presse, nous avons dit que le conseil de revendication. Côté vraiment pas gagné, vraiment ambiance pour le travail normalement, côté pas même des ponchaises, employé chita long chalet, pas gagné conditionné, pas gagné qui donc, une situation vraiment difficile côté employé de H. Jérémy a évolué là, pour le bailler service. On dit département de danse Rio Jean, Signal FM. Merci Rio Jean, tu as informé depuis le département Grand Danse, Jérémy. Et nous connaissons le département Lidi, nous tout bas élevé très bien matin. Hein? Et comme ça, la population a vaqué librement à l'activité. Donc, bien. Alors, qui département nous parle là? Cap-Haïtien, ça c'est pays. Alors, pays, j'en dis. Alors, on a profité de saluer mon capitaine au Cap dans ce moment-là. Et mon capitaine tout dans Milo, Limonade, Dondon, Baron, Saint-Raphaël, Pignon. Et nous connaissons mon Saoto, San Bablé, mon Rankit, mon La Victoire. Donc, c'est des zones vraiment reculées, et non payant, même pour chef-lieu, département, ça qui c'est Cap-Haïtien. Avec Ernest Saint-Illus, nous fait contact là, consacre pour l'informer, comment, et Cap-Haïtien, mais tout, Grand Nord, du moins, la ville du Cap-Haïtien et le département du Nord, comment, les levées matin. Et n'a pas salué, et mon, Captain Dentoun, en pleine du Nord. Alors, il capitaine de la Cul du Nord, tout, Grande Rivière du Nord, et mon capitaine de la Limbé. Nous saluons toute la population qui trouve le bas Limbé. Est-ce que Ernest en ligne? Bonjour Ernest Saint-Illus, bienvenue dans Monde le Matin. Bonjour Alexis, n'a profité de l'occasion pour nous saluer tout auditeur Signal FMIO. Mm-hmm. Et si on peut dire encore matin pour nous participer non, à la ronde des provinces. Bien. On dit que. Et le Cap-Haïtien, Alexis, bien levé matin, hein. Écoutez, nous déjà remarqué un bel soleil, et puis nous voyons que dans les mêmes, il y a un beau temps, pas gagné un mauvais temps, pas gagné la pluie, cap tombé,
dans la ville cap-haïtienne, toute activité a fonctionné normalement, et que ce soit les transports en commun, les petits commerces, les gros commerces, institutions privées, tant que publiques, eux-mêmes, et il y a paru pour qu'ils soient capables de reprendre l'activité sans problème. On dit, dans le département Nord-Land, ça a été dominé l'actualité, c'est un gros coup de filet que la police fait, la police dans le département Nord-Land, qui a arrêté 4 présumés bandits pendant diverses opérations liménaires, sorties semaine dernière, pour capable d'arriver à hier mardi, 23 janvier 2018, là. Et c'est porte-parole PNH dans le département même, inspecteur divisionnaire, Anassé Dorival, qui fait connaître ça. D'après l'inspecteur Dorival, individu Sayo t'a impliqué dans divers gros dossiers, tant coup, assassinat, meurtre, association malfectaire, détention illégale d'armes, pour ne citer ça seulement. Parmi individu Sayo, porte-parole police locale la cité, James Léandre, alias Casco, monsieur qui t'a opéré et on sait de mauvais actes dans divers coins dans le cap haïtien avec zone qui tout près ville là. Puis je vais dire ça, la police t'a un mandat pour arrêter, mais t'a un natif lui, pour qu'il y ait 9 cas d'assassinat, d'après sa porte-parole pour l'État lui-même, lui fait connaître, en coutume en bout de la déclaration, Anassé Dorival. Bien. Nous pouvons permettre de couper à la salle. Pas un problème, ok. Voilà, Anassé Dorival qui t'a parlé de Léandre, James Léandre, alias Casco, qui t'a et accusé dans différents cas d'assassinat de la deux cas dans le département nord-pays. Anassé Dorival expliquait que et la police vivait faire coup de filet ça, et grâce avec information que le déjoint, bon côté population, hein, de renouveler détermination, institution policière là pour capable chercher, et puis arrêter tout bandit, cap mettre des troubles dans le département, hein, y profiter pour capable demander population, hein, continuer à collaborer avec la police, pour que la police capable vivre atteindre objectif ça. C'était Ernest Saint-Silus, au Signal FM, Cap-Haïtien. Ernest, juste avant d'aller, le arrivé sous nous, donc, oui. Nous connaissons Ville Cap-Haïtien, on a plein, Gapil Fadra. Comment ça est, dans ce moment-là? Et pour Fadra, on dit que il y a un pile effort qui fait dans la question Fadra, puisque nous avons remarqué que, et dans le moment côté que nous avons parlé, la ville-là, lui-même, il commence à reprendre l'image. Donc, ça veut dire, contrairement à la quantité de Fadra qui est connue, vous connaissez que c'est l'eau de matériel qui est arrivé et dans la capacité depuis 4 janvier qui est passé, okay, tout le monde qui est venu ensemble avec vous. Mais ça fait que, gagner et ville-là, lui-même, actuellement, il commence propre, surtout nous connaissons que nous sommes dans la période pré-carnavalesque, moi, c'est un pile effort qui fait pour permettre que ville-là, lui-même, il au niveau de propreté, dans le moment côté que nous avons parlé là. Pas un problème. Bon, merci en pile, Ernest. Saint-Ilus qui t'a informé depuis Ville Cap-Haïtien. Donc, n'a pas bien pour nous parler de ce sujet ça. Et c'est pas chaque fois qu'il y a une petite activité, carnaval, bon, pour Ville ça. Parce qu'en pile monde, quand vous êtes dans le département, dit effectivement Ville ça, waouh, c'est seulement ça qui manque. Donc, il n'y a pas jamais propre souvent. Bon, bien. Alors, et n'a pas dit nous tout merci qui t'a écouté nous, Signal FM, la ronde des provinces matin. Nous faisons la ronde des dépaysans, oui, nous passons en pile côté matin pour nous informer. Donc, c'était avec vous, Micheli, Alexis qui t'a informé, avec Julien Virgile qui t'a fait manœuvre technique pour nous. Nous avons salué Tom Dumont, qui attendait dans ce moment-là depuis les pays États-Unis. Nous avons cassé rendez-vous demain matin pour même l'heure à 7h30 pour 8h, ronde des provinces.